Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News autour du mode faction de The Last of Us Partie 2. Lors du dernier The Last of Us Day en septembre 2021, Naughty Dog a confirmé que les équipes travaillaient officiellement sur le premier stand-alone multijoueur de l'histoire du studio, et cela se concernerait donc le mode en ligne de The Last of Us Partie 2. Hélas, depuis septembre, nous sommes restés sans nouvelles de ce mode de jeu tant attendu par les joueurs et les fans. La semaine dernière, en clôture de la soirée de lancement du Summer Game Fest, Neil Druckmann, l'actuel co-président de Naughty Dog, a dévoilé un premier concept art officiel du jeu et nous a dévoilé les premières informations autour de ce dernier. Voici ce qu'il faut en retenir. Ce jeu est énorme, il est plus grand que n'importe quel jeu solo que nous avons fait. Voilà comment Neil Druckmann qualifie le multijoueur de The Last of Us Partie 2. D'ailleurs, nous ne devons même pas l'appeler le multijoueur de The Last of Us Partie 2, car oui, ce jeu en ligne est un jeu à part, c'est un stand-alone. Il ne sera pas le mode en ligne de The Last of Us Partie 2, mais un jeu à part, autonome, indépendant, dans l'univers de The Last of Us. Il y a fort à parier que nous retrouvions des éléments présents dans The Last of Us Partie 1 et Partie 2 dans ce mode en ligne. Neil Druckmann nous apprend que le jeu en ligne disposera de sa propre histoire unique avec de nouveaux personnages et de nouveaux lieux jamais visités au cours de nos deux aventures avec Joël et Ellie. Et en effet, comme nous pouvons le découvrir sur le concept art, l'histoire de ce jeu en ligne se déroulera dans la ville de San Francisco en Californie. Nous aurons peut-être droit à des liens ou des références aux aventures de Joël et Ellie, sachant que la fin de The Last of Us Partie 2 se déroule elle aussi en Californie, non loin de San Francisco. Il faudra se contenter de cela pour le moment car ce sont les seules informations dont nous disposons. Le jeu est attendu pour l'année 2023 et nous devrions avoir d'autres détails, d'autres images et des premières vidéos au cours des prochains mois. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre régulièrement sur notre site et nos réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater des prochaines informations autour de ce premier stand-alone multijoueur de Naughty Dog. On n'oublie pas le petit like, le commentaire pour donner votre avis et nous dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous, à bientôt.